On voit pas les prises pourtant. Tu sais, je peux le mettre en 2 minutes. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. Salut les enfants. Bonjour. Hola. Hola. Kilo. Bah oui, ça va. Femme, elle t'arrase d'avance, on n'a pas commencé le sketch. Maintenant, j'allais dire bienvenue chez moi. Bah, les gens connaissent, hein, j'espère. Oui, depuis maintenant. Est-ce que vous arrivez à lire les bouquins? Parce qu'Akilo est en stress, en train de tout cliner avant, en se disant, on sait jamais. C'est juste qu'à chaque fois, je pose des petits trucs un peu partout. Un mouchoir sale. Non, mais une prise, un spray et tout, on va pas mettre des trucs comme ça. Ouais. T'as vu ce que c'est chez moi? Vraiment, tout est marrant, tout quoi derrière. Bref, bienvenue chez Akilo. On se retrouve évidemment pour la vidéo fil rouge. Fil rouge de toute l'année. C'est ça, avec un deuxième fil rouge. Non, ça ne s'arrête plus. Tu sais que les nombres de vidéos sont à rallonge. Avec le à un moment, il va falloir 3 pages YouTube pour eux. Donc, il s'agit de la Birchbox comme d'habitude et de la Beautiful Box. Dans l'autre sens, Akilo. De la Beautiful Box. Voilà, vous savez que bah, Akilo est abonné à la Birchbox depuis Zion. Putain, 3 ans. 3 ans maintenant, et que depuis quelques mois, bah écoutez, je reçois ça dans ma boîte aux lettres, la Beautiful Box. Avant c'était au coup par coup, en ce moment c'est tout le time. Ah, écoute, trop bien. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Donc bah, on s'est dit qu'on allait l'ajouter à cette vidéo Birchbox, comme ça on fait durer de plaisir. C'est ça. On reste avec vous pendant 45 minutes. Parfait. On est bien, on est ensemble. Parlons peu, parlons bien. On va peut-être stopper la vidéo maintenant, les enfants. Je vous entends pas. On n'entend rien. Sorry. C'est l'anniversaire d'Akilou, on est au mois d'octobre. Happy birthday to you. Happy birthday. C'est quand même le malaise international. Ouais. Check malaisance. Joyeux anniversaire, Akilou. Merci, Chacha. Ça va, tu vis ça comment? Très bien, franchement. Un jour comme un autre. Non, un mois comme un autre, bah, c'est oui. Le jour. Heureusement qu'on s'arrête pas juste le jour de l'anniversaire. Sinon, bah, rideau, ça passe trop vite. Rideau. Ah, ouais. Surtout que, on va raconter le sketch. Quel sketch? Bah, le sketch, je suis née le 1er octobre. Ouais. Et donc, Akila, elle prend ses vacances, et puis bah, Akila, elle voit pas les dates qu'elle pose. Elle reprend le lundi 1er octobre, donc en fait, elle reprend le jour de son anniversaire. Voilà. Super contente d'avoir au boulot, quoi. Bah, ma gueule au boulot, happy birthday, non, personne ne l'a dit. Alors, tes collègues, ils t'ont pas dit? Bah, ils le savaient pas. Non, mais bah, il faut qu'on s'explique un truc, moi, c'est sur le calendrier commun de la société, anniversaire Charlotte. Non, en fait, il y en a un des deux qui le sait, ouais. Parce qu'il est né le lendemain. Donc, ouais. J'ai reçu un message, mais il bosse pas le lundi. Ah ouais. Bon, il faut être plus franche à Kilo, hein. faut voilà. Attends, Queen of the Day quoi. Si on ne peut pas recevoir des flowers à tout va ce jour-là, c'est never quoi. Bon les enfants, comme vous voyez, on est très en forme. Voilà. On est content de se retrouver, on est déjà contente de se retrouver toutes les deux, mais... Mais de vous retrouver, vous, de plus derrière. En plus. C'est quel présentateur télé qui fait ça? Ah bon? Vous qui êtes chez vous, Julien Lepers. Ah oui, c'est vrai. Feu. Sale. Mais non, pas feu. Bon les enfants, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas? Bah on y va, oui. Non, on y va pas. On parle d'abord de la Birchbox. Et de la Beautiful Box. Oh, t'as plein de trucs à nous dire. Bah non, en fait. Bah non, bah, on n'a pas tourné il y a 6 ans. Oui, c'est vrai, ça fait pas mal. Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, dans la Birchbox, on va commencer. Ouais. Le gel douche au Neroli. Qui sentait super bon. Ah ben, ça sent Neroli bien. Coco, non, c'était pas un délire comme ça? Non, Neroli. Non, okay. Je sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas ça sent bien le Neroli. Ouais. Canon, canon, canon. Et donc on va prendre dans la Beautiful Box le shampoing. Alors que maintenant je suis au shampoing solide. Ouais. Canon, ouais. Vraiment canon. J'ai pas encore fait les soins Aromazone. Ah oui, vous avez des masques à faire. Ouais, c'est ça. Je vais les faire ce week-end. En fait, j'ai pas eu le temps parce que je dois faire mon aîné. Donc je voulais faire un tout soin. Tout un programme ce week-end, elle pose 48 ouais, heures. Je pose 48 heures, je ne suis pas là. Plus de son, plus d'image. Et c'est tout, non? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, t'as mis ton rouge à lèvres? Bah oui, j'ai mis le rouge à lèvres. Ok, le rouge à lèvres max. Qu'est-ce que t'en penses? Bah je kiffe, et surtout avec mes 15 euros. Ça a marché? Bah en fait, on était plein dans le magasin avec mes cartes de joute. Ah oui, ça marche direct, ils sont au courant. Et j'ai pris bah, celui que je voulais toujours acheter. C'est quoi? Le. Je sais plus le nom. On va aller le chercher. Allez. Le Diva. Bah Canous, en plus je l'ai, je vous ai. Hey, tu tombes super bien parce que je vais vous linker en barre d'infos l'article, la revue avec les swatchs et tout. Bah voilà. Et ben voilà, je suis contente, je l'ai. Les couleurs foncées, j'aime bien les mettre en hiver. Ouais, bah oui. Donc je le mettrai plus tard quoi. Ouais. Parce que là t'as encore ton teint estival. C'est ça. Je sais pas si vous avez. Je suis en train d'attraper toute la lumière, moi je disparais au fur et à mesure. Donc on commence par la. Ouais, ah mais attends, mais si, il y a aussi le. L'huile garancière. Le soin pour la nuit, c'était quoi? Oui, c'est ça.
Mais qu'est-ce que ça sent bon. Ouais. Ah ouais, après j'avais l'impression que ça me picotait, mais c'est peut-être parce que j'avais fait des masques et tout avant, il faut peut-être que j'arrête de frotter ma peau. Évidemment. Donc voilà. Bon, bah écoute, plein de bonnes choses, pas de flops. Bah non, rarement des flops. Si ouais. C'est des flops, c'est que c'est des trucs que tu n'utilises pas, quoi. Ouais. J'ai pas encore pris mon abonnement à Elle aussi. Ah, les 9 numéros, faut que j'en... C'était pas un délai Non, c'est jusqu'au... j'ai regardé, c'est jusqu'au 31 décembre. T'as lu toutes les petites Oui, c'est ça. J'ai lu toutes les hashtag pinces. Je me ferai pas avoir. Donc, la Vierge Box du mois d'octobre s'appelle Les Filles en Or. Bah, nice quoi. Non, c'est pour toi. C'est ça. Bon, il n'y a jamais de cadeau. Hein, ouais, jamais de petits mots. Grave. Franchement, ça, je trouve que ça va. Ouais, tu vois, j'ai reçu un mail de Darty qui me souhaite mon anniversaire. Oh, c'est l'histoire. Pas bien, la non, c'est quand même chelou. Par contre, la box, bien nice. Hein. Darty, le non, seul non. Qui me revient en tête. C'est parce que ça me fait toujours d'arras de me dire Darty me souhaite mon anniversaire. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un peu spécial. Quand c'est un peu spécial parce que j'ai fait une commande chez eux. Donc voilà, donc une box donc un peu tachetée or et blanc. Ouais, ça fait un peu Noël. Hein, ouais, c'est parce ça. Parce que t'as le vert sapin. C'est ça, vert sapin en dessous. En dessous. Par contre, c'est canous. Hein. Ouais, ouais, elle est mais belle. Plus de tiroir. Non. Bon, allez, on l'ouvre. C'est parti. Alors, on n'a pas de table en fait. C'est vrai qu'on aurait dû mettre un peu. Tu veux qu'on chope un truc là? Non, bon, on va se débrouiller à Kilou. On va balancer par terre. Non, je crois pas. Je crois pas. J'ai le premier produit en main. Ok, vas-y. Bioderma. Bioderma, ça on l'a vu hier. Ah bah oui, dans la vidéo de d'Ariane. Donc Bioderma, bon, une marque que je connais bien parce que c'est aussi mon. Ton micellaire. Mon micellaire, quand voilà, c'est mi vraiment... maquille ou quoi. Faut qu'on devine. Donc là, c'est la gamme sébum machin. C'est la gamme spéciale peau grasse, peau imperfection. Ok, d'accord. C'est pas le même bouchon que. C'est ton micellaire que tu as. Elle est rose. Et bah, elle existe aussi en peau bleu vert là. Ah oui. Et oui. C'est cette gamme. Il y a les bleus, il y a les vertes. Ouais. A... D'accord. Je crois qu'il y a les bleus pour les peaux très très sensibles et il y a le vert pour les peaux grasses. Ok, d'accord. Bon, moi, j'ai le rose. Ok. Donc là, par contre, tu as la gamme. Sébum mat contrôle, soin hydratant anti brillance. Bon, parfait, c'est plutôt nice. Hein. Est-ce que tu brilles toi? Bah je brille en fin de journée, genre vers 16h. Mmh. Quand je suis 16h, c'est fin de journée. Sorry de pas avoir les mêmes horaires. Moi, 6h30, je suis make-up. Oh putain, je vous raconte, Akilou. On s'est déjà parlé, les enfants, du réveil d'Akilou, le pimpon, du matin. Voilà, c'est une institution ici, on est au courant. Quand tout on le monde, dort, quand tout on le monde pète un câble avec cette sonnerie. On s'adapte. Sauf que Nemi. Akilou, elle a un nouveau réveil que Chacha m'a offert. Avec tout mon cœur. Nouveau réveil, comment ça s'appelle? Un réveil solaire, enfin je sais plus comment. Lumière du soleil. Ouais, oui, c'est le réveil Philips où en fait on règle genre le réveil à 6h du matin et au lieu de sonner, ça sonne à un moment si tu ne savais pas quand même, mais au lieu de sonner, une demi-heure avant, ça commence à faire la lumière de. Ça fait comme si c'était le lever du soleil en fait. Donc canous, ça c'est un truc pour Akilou quoi. Parce que l'été, dès qu'il fait beau, en fait je ne ferme plus les rideaux. C'est-à-dire je me réveille, j'arrive à me réveiller directement à la lumière du jour. Sauf que là en ce moment effectivement on peut plus compter là-dessus. Hein. Voilà. Sinon, tu donc je suis obligée de remettre le normalement la sonnerie magique. Donc elle prévient hier soir quand on se couche, elle me prévient que bah, je vais être réveillée par la lumière du soleil. Coup de 7h30 ce matin, moi j'étais toujours endormie. Hein. Je me suis réveillée en sursaut, genre oh, je suis où? Parce que déjà j'entendais pas le pimpon, je me suis dit mince c'est pas à Kilo. Et j'ai pas vu du tout la lumière du soleil. Mais c'est surtout t'as pas entendu le bruit et moi c'était plus dans ce sens là en fait, c'était... Tu vas voir, il n'y aura plus de sonnerie. Ouais. C'est que maintenant, je me réveille sans sonnerie. Et c'est tellement agréable de ne pas se sentir agressée en fait, du matin comme ça. Je veux bien le croire. Par contre, ce n'est pas fait pour tout le monde, puisque vous voyez que moi, ça ne fonctionne pas du tout. Je n'étais pas réveillée du tout. Quoi. Voilà. Ça n'a pas suffi. Bon, pourquoi on disait ça? Parce qu'on parlait de bioderma, qu'on a un peu... Mais c'est pas grave, on est là pour des rythmes de vie différents. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah oui, Kilou, elle se lève tôt, contrairement à moi qui roupille jusqu'à... Jusqu'à très tard. Bon, Bioderma, ça nous coûte 9,78€ les 30 ml. Et là, j'ai 15. Ouais. J'ai la moitié. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Moi, les crèmes Bioderma et la marque en général, je kiffe. Ouais. Franchement, je trouve que. Franchement, c'est un bon basique. Voilà, bon rapport qualité-prix. Si on veut mettre des bons produits sur sa gueule ou sur le corps, franchement. En fait, c'est des bons produits, je trouve, pour avoir une routine simple, tu vois, simple et efficace. Ouais. Nice. Elles sont vraiment bon. Ce soin hydratant régule les excès de sébum, il lisse et affine le grain de peau pour une action anti-imperfection. Résultat, bye bye les brillances, à vous le teint net et mat. Bah écoutez, moi je teste ça dès demain matin. Ok. Peut-être que moi aussi. Bah oui, tu le testeras demain matin si tu me permets. Mais bien sûr, je le laisserai dans la salle de bain pendant que tu seras encore en train de roupiller.
Allez, Akilou, on enchaîne parce que là, vraiment, on va être là pour une heure et demie. Alors là, c'est le produit que j'ai choisi. C'est le produit de chez Paul & Joe. Bah oui. En tout cas, les packaging Paul & Joe sont hyper réputés. Moi, je connais pas. Ah ouais, j'ai l'impression que ça va être super galère. C'est une base de maquillage illuminatrice. Ouais, par contre, du coup, il manque un, je sais pas, une pipette, quelque chose quoi. Ça. Elle illumine et unifie visiblement le teint. Elle hydrate également en profondeur grâce à l'action de l'eau de fleur d'oranger. Le plus, elle peut même s'utiliser même sans fond de teint. Mais ça va faire un teint vachement clair. En fait, je comprends pas ce que c'est. En fait, c'est une base lumière, donc il n'y a pas forcément de teinte. Tu vas regarder sur le dos de ta main. Ça apporte juste du glow à ton visage. Ok, d'accord. Quand tu brilles du visage parce que tu as la peau mixte à grasse, en général, tu brilles de la zone T, machin. Oui, donc c'est pas là où tu vas mettre le produit. Ça, tu mets là plus. Voilà. Sauf que c'est pas un highlighter, c'est une base de maquillage. Donc normalement, tu le mets sur tout le visage ou tu le mélanges à ton fond de teint ou à ta crème, ta BB crème, ouais. Machin. Donc normalement tu cibles pas forcément des parties de ton visage. Je sais, franchement là je suis un peu perdue. Je testerai, on en reparlera le mois prochain. Ouais. Si tu mets ça sur tout ton visage, pour moi ça va pas correspondre. Bah moi je me voyais pas mettre ça sur toute ma gueule. Hein. Mais c'est le principe hein, d'une base de maquillage. D'accord. Bah je testerai les deux. Ça coûte combien ? Il coûte 30 euros. Les 30 et j'en ai 10. Ouais. Donc ça sera, je teste et j'en rachèterai pas. T'auras peut-être une bonne surprise avec les... Ouais mais je pense que ma surprise du porte-monnaie non. Allez on continue. J'ai vu hein, désolé mais... Ouais. Bon alors ça c'est le produit. T'en peux plus. What the fuck. Bah, merci Andy, merci le gel nettoyant pour les mains. Quoi. Bah ouais, ça je pense que c'est passé. Non enfin c'est passé, c'est que moi déjà, mon travail, je suis dans une collectivité et tout, bah j'ai des pouces partout quoi. Puis qu'on a tellement vu dans les box il y a et quelques puis, années. Puis l'odeur quoi. Mais tu sais qu'il y a des gens qui collectionnent ces trucs. Bah oui, mais putain, mais on est connectés. Bah t'as pas besoin de nous dire, il y a des gens, il y a Enjoy Phoenix qui achète, mais elle a rien à foutre de sa thune. Qu'est-ce que tu vas collectionner ça, pitié? Quand je regarde ses vidéos et qu'elle dit « Alors j'ai été aux États-Unis et j'ai acheté pour ma collection des gels de pour les petits. » Des souvenirs un peu particuliers. Mais grave, bah, what the fuck quoi, je sais pas, moi je vais au steak, j'achète autre chose. C'est comme si tu disais « Tiens, on vient de Santorin, on a trouvé un petit gel pour les mains à l'odeur du volcan. » Stop is right now, c'est vrai que là vraiment ça n'a pas de sens quoi. Bon on passe. Désolée, j'ai fini ça mais... On passe, franchement allez, qu'est-ce que c'est ça Akilou? Davines. Ça c'est une marque que tu kiffes. Je kiffe cette famille italienne. À chaque fois je raconte la même chose mais c'est parce que c'est des trucs qui marquent, qui touchent au cœur. Et donc c'est un capelli, masque capillaire. Oh non, épargne-moi ça. Le sketch. La Rita, allez-y. C'est écrit. Oh. Capelli, regarde. Père Capelli. Je ne vois pas. Non, c'est un masque capillaire. Voix okay. Express multitâche. Ok, donc ce qu'il fait, il hydrate, lisse et adoucit vos longueurs. Je kiffe vachement le packaging. Ouais, j'adore. Ça fait un peu unidose, mais j'espère que tu pourras en faire quand même plusieurs. Bah, si c'est que pour les pointes. Ouais, enfin les longueurs, toi, t'en as quand même un paquet de longueurs. Deux. On va dire. Ouais, j'espère quoi. Parce que sinon, c'est un peu léger quand même pour. 50 ml hein, quand même, il y a le prix pour 50 ml. 8,42€. D'accord. Et donc, c'est une forme avant. Forme avant. Miniature. C'est ouais. À mon avis, on a plusieurs des masques comme ça. Dans sa formule, de l'argile rouge qui purifie et de l'acide hyaluronique, j'arrive jamais à dire, de l'acide hyaluronique qui nourrit et renforce la fibre capillaire. How to, laisser poser sur cheveux humides 3 minutes et rincer. En bref, le temps d'une chanson sous la douche. On termine cette box à Kilou, qu'est-ce que t'en penses? Mais oui, mais il en reste encore un produit. Ouais. Last but not least. Yeah. Et c'est vachement beau, hein. Galénique. Oh, en plus, Galénique, c'est une putain. Mais oui. Et mais le packaging. Le petit pot, j'espère que tu vas le garder. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est beauté de nuit, gelée chronoactive. Mais je kiffe l'idée, hein. Une petite crème de nuit en plus de la crème de jour. De mais grave, non, on en parlera après, il n'y a qu'un flop hein, pour l'instant. Ah oui, c'est le merci Andai. Merci Andai. Au revoir Andai quoi. Donc gelée, ouais. C'est vraiment une texture hydratante quoi. Ça c'est vraiment top. Moi, c'est vraiment attends, vas-y, je vais le mettre là. Ça sent bon hein. Ouais. Ça sent. Et la sensation? Ouais, non, mais c'est hyper frais. Moi j'adore. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. On aime sa texture fraîche et son odeur relaxante. Alors ils nous disent, dormez sur vos deux oreilles, cette gelée toute douce s'occupe de tout. Plus besoin d'appuyer à l'infini sur le snooze pour retrouver, pour reposer. On n'appuie plus. Donc les 50 ml, 41 euros et la miniature de 15 ml.
Non, mais franchement. Une belle miniature. On la testera ce soir, comme ça on pourra en reparler. Non, mais quelle soirée à Kilou. On a une soirée de ouf. J'ai hâte. Bon, bah écoute, une petite box bien sympathique, fille en or. En octobre, votre Birchbox se part de ses atouts les plus chics et précieux pour vous en mettre plein les yeux. À l'intérieur, vous y trouverez tous les essentiels pour faire de vous une fille encore plus brillante. De quoi faire tourner les têtes, les yeux remplis de paillettes, mais aussi le cœur sur la main. C'est bien, moi. On va enchaîner avec la Beautiful Box, les enfants. Petit rappel par Akilou, le principe de cette box est complètement différent. Alors, la Beautiful Box, c'est une box où on a 5 produits full size, bio. Made in France ? Non. Pas forcément ? Je crois pas. Non, ok. Je ne sais pas, je ne veux pas, on ne dit pas de fausses informations. J'aime bien le... On va mettre un petit disclaimer. Et donc, c'est une box qui coûte 39€. Contrairement à la Birchbox qui coûte 13€, sauf que là c'est du full size, voilà. C'est bio, bio. Les cartasses, donc ça c'est moi qui garde. Allez vas-y, pioche dans le tas, Akilou, je t'écoute. Bah écoute, j'ai pioché tout de suite le mascara naturel de chez Elissance. Voilà, mascara noir 100% naturel. Moi je kiffe le water résistant. Là tu vas pouvoir aller dans la pool party ce week-end. Parce que hashtag été indien. La marque Elissance, par contre j'essaye quand même de... Restez focus, excusez-moi, la marque Elissance est inconnue au bataillon. Hein. 100% naturel et c'est un pack recyclable. Mais oui, je la connais pas du tout, bah mais ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit sur cette marque ? Oh, plein de trucs, mais comme vous le savez, déjà, sur la Birchbox c'est compliqué, mais alors là, c'est encore plus... Alors, après avoir travaillé plusieurs années dans l'industrie cosmétique, Laurent décide de créer Elissance, une marque moderne pour les femmes modernes. Cette marque glamour, élégante et sensuelle propose des produits de maquillage à la fois adorables, faciles à appliquer, et tenant tout au long de la journée. Ainsi, les produits Elissance sont à la fois traitants, hydratants, réparateurs et formulés avec un maximum d'actifs naturels et d'huiles précieuses. Donc, il est au prix public de 19,90€. Et on va regarder tout de suite la brosse. Qu'est-ce que tu aimes comme brosse à Kilou ? Des grosses brosses. À ne pas sortir de son contexte. Bah, voilà. Bah celle-là, elle est bien mousse costaud. Hein. C'est des bonnes brosses où ça attrape bien et moi j'ai l'impression que ça fait des gros. Ouais. T'en fous pas partout ? Non. Bon, bah écoute, c'est des petits picots en silicone. Enfin bien, tu nous diras de toute façon ce que tu en penses. Ok. Est-ce qu'on peut tester demain matin, s'il te plaît ? Mais bien sûr, on va tout poser. Comme ça, demain matin, on va faire un super table de make-up. Sacrée routine. Par contre, dommage, on fera pas ensemble parce que comme on l'a déjà dit, je serai déjà loin. Sinon. Ce qui est bien aussi chez Beautiful Box, oui. C'est qu'à chaque fois il y a un code promo. Voilà. Pour commander sur le site de la marque. Je vous le répète pas à chaque fois, hein, mais vous allez voir l'article associé et vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors là, c'est Bellessa. Voilà. Mad in Seven. Qu'est-ce que c'est ? C'est un soin douche essentiel qui s'appelle Bellessa, je pense, on dit non ? Afla d'Escumo. On est vachement dans l'Italie en ce moment. C'est italien aussi ça ? Bah non, parce que c'est écrit dans les Seven. In Seven, ah ouais. Mad in Seven, les Seven, c'est en France. Bah, et tu vas nous raconter la petite histoire de la Exactement. Alors, Bellessa favorise les talents du terroir en se fournissant autant que possible matière première packaging fabricant dans un périmètre restreint autour du parc national des Cévennes, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour toute la conception, Bellessa fait attention d'utiliser des ressources éco-responsables et privilégie les ingrédients naturels. Bon à savoir, si Bellessa veut dire beauté en occitan, Afta d'Escumo signifie giclée d'eau fraîche. T'as vraiment l'esprit mal placé. Oh, c'est spécial. C'est quand même spécial comme name. Bon, bah écoute, très bien tout ça. Alors ça coûte 12€. 12€, enfin c'est un gel douche. Ouais, tout mais bon, c'est un bon gel douche. Ouais, bon, un pain de savon à 4 balles. Comme dit, là vous avez 100ml, hein. Encore une fois, ce sont des full size. Tu le testeras demain matin. Ouais, je veux pas tarder, ouais. Allez, on enchaîne, Akilou. Omoum, l'instant maternel. Oui, c'est un produit... Sans hydratant intime, hydratant et apaisant. D'accord, je croyais que c'était une gamme pour les femmes enceintes, moi. Bah oui. C'est sympa, les gens qui reçoivent une box. C'est impossible. Rejoignez nos futures et jeunes mamans. Non, gracias. Ouais. Bah, tu vas repartir avec. Mais pas pour toi. Parce que là, l'annonce comme ça, c'est pas prévu. Bah, née de ses rencontres avec des femmes enceintes pendant son tour du monde, Omoum est le fruit de toutes les découvertes de sa fondatrice, Marie Pascal, sur leur face. Cette femme. Non mais c'est un peu le sketch là, non ? Moi je trouve que c'est abusé de mettre... Franchement, les gens qui prennent des produits, elles sont pas toutes enceintes. Ou alors, faut le dire avant, va y avoir un produit... J'arrive pas à pleurer, j'arrive pas à me calmer. Cette femme. Non mais après, mais à coup pas, peut-être que les gens qui sont abonnés, ils ont eu le droit de changer de produit. Oui.
On ne sait pas, parce que ouais. Là, comme c'est offert. Bon, après, c'est un soin intime, de manière générale, peu importe que tu sois enceinte ou pas. Elle répond aux besoins des femmes enceintes, modernes et pétillantes. Ces formules ont été développées pour préserver leur équilibre délicat. Ouais. Omum est allié, l'allié de choix pour une grossesse tout en beauté. Ah bah non, mais en fait, ça va pas du tout. Bah si, je peux le garder, moi. Pourquoi? Bah non. T'as quelque chose à nous annoncer. On va couper tout ça. Non, mais c'est pour les femmes enceintes. Oui, bah on va bien se dire. Jusqu'à nouvel ordre, c'est pas le cas. Oh, mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir. J'en ai marre, mais je comprends pas pourquoi c'est dedans. Il y a un message, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Après, j'imagine qu'il va pas nous pousser un troisième bras fluorescent dans le dos. Tu sais qui c'est qui dit ça? C'est mon blog de fille. Je kiffe quand elle dit ça. Et effectivement, c'est si tu... Excusez-moi, moi, je vais faire pause, faut que je me dépêche, faut que j'ai mon nez qui me brûle. Elle fait que se barrer cette femme pendant cette vidéo, quoi. Bon, bah allez, ciao. Ouais, on va conclure, on va dire le price. 12,90€. 12,90€, et donc on le répète, c'était un soin intime pour les femmes enceintes. Voilà. Je pense que tout est dans le titre, hein. Ça, stop. Bon, il nous reste deux trucs. Allez. Sainte-Victoire, crème main à l'eau pure de province. De province, ouais. J'ai dit quoi, de province? Province, ouais. Ça se dit, non? La province, oui, c'est tout ce qui n'est pas Paris. La province, ah oui, c'est un province, peu plus ciblé. Ouais. La marque 5 Victoires, ouais. Inconnue encore une fois. Ouais. Par contre. Mais de Aix-en-Provence. Ouais. Parlons peu, parlons bien. On découvre tout un tas de marques. C'est ça. Vraiment inconnues. Ça, c'est vraiment le point fort de la box à chaque fois. Crème main hydratante à base d'huile d'olive et de beurre de karité enrichi à l'extrait de figue et de eau florale de lavande. Canon. C'est le sud. Ouais, c'est le sud. C'est après, le effectivement, sud. Toi, c'est pas un type de produit que tu utilises beaucoup. Bah, en hiver un peu plus. Ah, ouais, bah depuis que je te connais. Écoute, elle a l'air blasée 3000. Ça sent bon. Ouais. Ça sent vraiment le sud. Petit mélange de lavande et tout. C'est vrai que c'est sympa. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur la marque? Alors, la mission de Sainte-Victoire, partager l'art de vivre en Provence et l'excellence à la française en proposant des produits d'exception qui valorisent le savoir-faire artisanal et respectent le patrimoine naturel local. C'est sur la pureté des eaux fraîches d'Aix-en-Provence que Sainte-Victoire a basé la formulation de ses cosmétiques conçus et fabriqués en pays d'Aix. Ils sont à l'image de sa nature bienfaisante, d'une simplicité élégante, authentique et noble à la fois. Voilà. 16,90€ les 50 ml, donc c'est le full size. On va terminer avec le dernier produit à kilo avant que tu me décèdes sur classe. J'ai commencé la vidéo avec un sacré make-up, je la termine dans tous tes états. Mais moi, ça fait toujours ça. Hein. Je sais pas si vous faites ça, ne le faites surtout pas. Mais quand tu cliques sur ma vidéo, ouais. Les premières secondes, et puis après tu m'écoutes pas, mais tu vas directement à la fin. Deux salles, deux ans. C'est vrai que je vais tester chez moi. Ah putain, en général j'ai les cheveux tout bien au début, machin, et à la fin j'ai mes rougeurs comme ça, j'ai les cheveux dans tous mes états, surtout quand c'est l'été et que j'ai chaud. Ah oui, ouais. Là c'est l'histoire, entre le début et la fin, ça, deux personnes. Donc là c'est un biphasé 2 en 1 démaquillant et soin de nuit de chez FG. FG Cosmétiques. FG Cosmétiques. C'est bizarre, le nom dit quelque chose, je ne l'ai jamais testé. Ou alors c'est parce que je l'ai entendu, mais toi tu dois pas regarder cette blogueuse, youtubeuse, Héloïse. Héloïse Chablon, sur Instagram. Par contre, je comprends pas très bien démaquillant et soin de nuit. Est-ce que c'est genre lotion? Parce que ça peut pas être bah, ça a l'air un hydratant, quoi. À la bleuée, aloe vera, extrait pamplemousse. Sa marque a pour vocation de redonner le sourire à ses clients grâce à la thématique ludique, fun, branchée, connue de tous, tout en préservant l'essentiel, apporter un bénéfice à la peau. On adhère à 100%. Oh putain. Les agrumes, ouais. Bah oui, c'est ça, c'est écrit. Mais tu l'as peut-être pas vu parce que oui, c'est pamplemousse. Ah, moi j'adore. Bah ouais, ça sent trop bon. Ça, c'est un petit coup de fraîcheur. Ouais. Ouais. J'adore les trucs, je trouve que ça resserre bien les pores, ça, tu sais, ça booste la peau, quoi. Ça coûte 19,90€. 20€. Un fin film se dépose et agit pendant que les pores de la peau se relâchent. Chacha. Et donc c'est ça le côté soin en fait, c'est pas un hydratant du tout, hein. Non. Faut pas oublier ta gelée. Bah ce soir on a un sacré programme, après aller manger là. Ouais, alors on vous le dit ou pas? Je vais ranger en même temps, vas-y exprime-toi Akilou. Bah on va aller manger au Libanais. J'en peux plus, je vais pas te dire que j'ai faim parce que c'est faux, j'étais déjà au resto ce midi. Alors la nourriture libanaise, pas le Libanais kebab. Parce que non, on va le Libanais la personne. Ouais. On va aller manger du houmous, des kébés, des falafels. Bon, allez, c'est pour ça qu'on va vous laisser les enfants. Merci d'avoir passé ce moment-là avec nous. Merci à Kilo pour ta joie de vivre au quotidien.
Franchement, mais j'attends ce montage avec impatience parce que de plus en plus de taf. Hein. Parce que vous vous rendez compte, vous commencez les vidéos, ça durait 10 minutes, moi, tac tac, c'était plié. Là, j'ai une heure de rush. C'est quand même pas la même chose. Et merci aux personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. C'est bien nice. On va terminer là-dessus. Vous êtes trop nice. Bah oui. Terminons là-dessus. Gros bisous et à très bientôt. Ciao. Ciao. Mais attends, on m'a pas dit la musique. Quoi ? Faut deviner pourquoi on a mis cette musique là en début. Bah tu l'as dit mois dernier, Akilo. Ah merde. J'ai mis de l'or gras mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire.